Je suis là. Je sais que je suis en couple avec toi. J'ai déjà fait beaucoup de choses pour toi. Je connais où je prends mon argent pour t'aider. Tu connais pas. Mais tu veux déjà faire. Tu vas sortir avec une autre fille. Je pense peut-être que les autres garçons me draguent pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé même souvent? Elle t'a expliqué ce qui s'était passé avec son ex. Et tu refais la même chose. Tu vois pas que tu deviens plutôt méchant. Est-ce qu'elle fouille alors le cerveau? Donc je suis obligé de fouiller ton téléphone. Je suis pas obligé de fouiller ton téléphone. Moi je te fais la confiance, frère. Il y a pas de trucs à cacher. Toi même tu as dit que tu as dit qu'il y a pas de trucs à cacher, non? En gros, tu as dit que tous les hommes sont comme ça. Mais moi je te voyais pas comme ça. Tu vois genre. Elle ne fouille pas ton téléphone parce qu'elle fait confiance. Elle a même dit en début. Merde. Voilà mon téléphone qu'elle donnait sans discuter. Donc tu crois peut-être que. Non, maintenant c'est payé avec. Salut les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à tous les récents abonnés. Continuez à liker, à commenter. Je vous souhaite un joli coup. Bonsoir, frère. Bonsoir, comment tu vas? Très bien, très bien. Tant bien. Fort, très bien. Ah, je vais bien. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Ça va? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va. Je t'appelle comment? Idriss. Idriss. Tu es musulman? Nope, nope. Pourquoi tu t'appelles Idriss? C'est juste un nom comme ça. Mon prénom, c'est mon prénom. Mon prénom, Idriss. Ah, ok. Et toi? Amina. Amina. Mais toi, tu es musulmane? Demi, oui. Demi? Mm-hmm. Chrétienne, musulmane, mélangée. Ouais. Et tu es, mm-hmm. Tu es de quel côté? Je suis chrétienne. Chrétienne. Et déjà, vous êtes ensemble depuis combien de temps déjà? Deux ans. Deux ans. Mm-hmm. C'est beaucoup, hein? Mais pourquoi ça ne dépasse jamais plus que deux ans? C'est toujours deux ans. Ah, je sais pas. C'est la vie, non? C'est la vie. Ok. Pourquoi c'était fini avec ton ex? J'avais fouillé son téléphone. Ouais. Tu as fouillé ton téléphone? Oui. Et tu as découvert le oui? En fait. Ok, ok. Et bon, pourquoi c'est fini avec ton ex? C'était trop fort, gars. Il est trop fort. C'est elle qui t'a slack ou bien c'est toi qui as slack? Elle me trompait, gars. Et tu as découvert? Moi, slack me forward. Ok. Pas fonctionné pour ça. D'accord. Et avec celle-ci, ça se passe bien? Ouais, au filé. Ça se passe bien? Oui, très bien. En deux ans, elle ne te dérange pas. Bah, parfois, non, ouais, elle me dérange souvent, mais là, mais j'ai à poser, ouais. Est-ce que vous avez souvent les petits problèmes dans le couple, genre chacun boude de son côté? C'est son travail, non? C'est son travail, elle, ouais. Et vous tapez même une semaine, t'écris pas? Là, elle est lasse même pas. Elle te donne pas? Mais elle est ta mère, la misère. Et vous finissez toujours ça, quoi? Ouais. Tu contrôles, non? Ah, tu contrôles. Tu te soumets? Ouais, elle finit encore par donner ça une fois. Ouais. D'abord, fort. C'est ça, tout le monde. Et toi, est-ce que lui te dérange souvent? Bon, quand tu es coupé, il y a des problèmes, il dérange souvent, mais ça va. Mais c'est toi qui dérange plus. Il dérange, je suis capricieuse. Ok, c'est pas bon. Je vois que votre feeling, ça passe bien. Est-ce que d'habitude tu fouilles dans son téléphone? Comme je dis qu'avec ton ex, tu avais fouillé dans son téléphone pour découvrir les choses. Est-ce que celui-ci tu fouilles soit dans son téléphone? Non, je ne fouille pas. Pourquoi? J'ai vu des crises cardiaques. Tu as vu des crises cardiaques? Oui. Mais tu sais pas qu'en fouillant le téléphone de ton ex, tu avais découvert les choses? Justement. Mais j'ai confiance en lui, je ne pense pas. Tu as confiance en lui? Oui. Vraiment confiance en lui? Ouais. Tu ne penses pas que non, il peut faire les sales choses et tout? Mm-hmm. Bon, toi tu fouilles soit dans son téléphone? Ouais. Et tu ne trouves pas les. Non. Comment ça, toi, tu fouilles dans son téléphone, mais elle ne fouille pas dans ton téléphone? Moi, l'homme, non, gars. Elle ne doit même pas d'avoir d'aime, d'abord. Mais comme c'est toi l'homme, c'est toi qui dois prendre tout le contrôle. Mm-hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu es d'accord qu'on fouille dans son téléphone? Oui, je suis d'accord. Est-ce que toi aussi, tu es d'accord qu'on fouille dans ton téléphone? Oui. Tu es d'accord? Mm-hmm. Bon, c'est toi, tu es d'accord qu'on fouille dans le téléphone? Parce que nous, on fait dans les tests de fidélité. On va voir si le feeling qui passe entre vous, là, tu poses uniquement avec elle. Et on va se voir. C'est quoi seulement avec elle, non? Il n'y a rien. Voilà, s'il y a rien, est-ce que tu es d'accord qu'on fouille dans ton téléphone? Non, easy, gars. On fouille quand même. Pour voir si c'est uniquement avec elle que tu parles, non? Elle a confiance en moi, non? On fouille encore quand même. Elle-même, elle a dit qu'elle a confiance en toi, mais il va falloir qu'on prouve aussi que la confiance qu'elle te donne là, tu mérites vraiment la confiance, gars. Non, elle n'est pas bon, gars. Je ne suis pas d'accord. Elle n'est pas bon, elle n'est pas bon. Pourquoi tu caches quelque chose dans ton téléphone? Je cache pas. Mais donne alors, on fouille, non? Fouille ton téléphone, non? Ton téléphone, non? Elle est d'accord qu'on fouille. Moi, je suis d'accord qu'on fouille ton téléphone. Fouille ta palaise. Et non, on va se m'enfuyer ta palaise. Tu as dit que d'habitude, tu fouilles son téléphone, mais elle ne fouille pas. Là, aujourd'hui, elle a l'occasion de fouiller. Mais elle devient l'occasion de fouiller, je suis bouillé. Je vais taper quelques mots pour pouvoir. Non, pas. Et pourquoi? Bon, tu caches quoi ta boue? Y'a rien. Et pourquoi tu ne caches rien? Donne ton téléphone, on fouille. Donne ton téléphone, on donne ton téléphone, on fait. T'as pas, il faut aussi avoir ta part. Mm-hmm. Tu veux vous fouiller dans le téléphone, pourquoi? Voilà. Le mot de passe. Non. Tu connais pas?
On va aller sur WhatsApp. Tu as enregistré ta go comment? Dans le téléphone. La wife, non. La wife. Ouais. C'est bien. On va te taper. Je t'aime, moi. Tu savais qui t'a enregistré, my wife? Oui, je savais. Ah, oui. J'avais lancé l'appel comme ça à la maison. Toi, tu es sur le détectrice des infidèles. Tu as lancé l'appel comme ça dans la même pièce avec ton gars. Ouais. C'est qui Lydie? Lydie, non. Ma cousine. Ouais. Et tu envoies, je t'aime à ta cousine. L'amour, non. Comment quand... ça peut? Tu connais sa cousine Lydie? Je ne connais pas Lydie. Tu connais ses cousines? Oui, je connais certaines de ses cousines. Et Lydie, pourquoi elle ne connaît pas Lydie? Tu envoies, je t'aime. C'est ma cousine, c'est ma cousine. On s'est connu quand ça fait même deux semaines qu'on sait. Que tu as connu ta cousine. Et tu dis j'étais ma ta cousine. Le feeling passe, non, gars. Allez, cousine. Ta cousine. On peut lire dans les messages, non. Vas-y, non. Ma cousine, est-ce qu'elle cache, non? Là, je descends, on ne veut pas lire tous les messages. On va être tellement là. Dis-moi, Idriss, je vais te poser une question. Sois sincère avec moi. Tu dis, vas-y. Je dis, est-ce que tu es en couple? Tu dis, c'était de ma réponse. Est-ce que tu vois quoi? Tu dis, je veux savoir. Tu dis, non, je ne suis pas en couple. Mais pour être plus clair, la voix avec Jésus maintenant, c'est plus trop ça. Pourquoi tu dis ça à Lydie? À ta cousine. C'est plus trop ça. Et dis, c'est plus trop ça, comment tu peux être plus clair? Je dis, non, c'est pas trop le style qu'elle veut. Avec moi, il n'y a pas trop le feeling, mais c'est quand même un goku, je ne veux pas perdre. Non, laisse fouiller ton téléphone. J'ai arraché, attends, je vais arracher, je vais te remettre. Elle va te remettre le téléphone. Pourquoi tu dis que c'est pas. Pourquoi tu dis ça à Lydie? Ma cousine, non, gars. Non, tu as encore dit que c'est ta couvre, mais c'est où tu dis avec elle, c'est pas trop ça. Aïe. Et tu dis même à Lydie que tu n'es pas en couple avec elle. Aïe, gars. Et toi, comment? Mais c'est que nous sommes en train de voir là, c'est pas toi qui écris ça. C'est qui? C'est toi qui envoie ça à Lydie. Non. C'est pas toi. Tu comment vous? Ton téléphone. Tu nies. Mais ton téléphone, les messages que toi tu envoies. Vous savez que je m'en touchais ton téléphone, tu m'as à côté. Exactement. C'est toi qui envoies les messages à Lydie. Manga la baga. C'est dans le vrai Kako même là-bas. Le vrai Kako et moi, je suis donc qui? Je reste faire elle, c'est qui alors? Parce que vous avez deux ans ensemble. Deux ans de relation ensemble. Allah, elle passe plus. Avec ses gars, elle passe même. Tu pouvais passer pour me dire peut-être que ça ne passe pas. Non, mais en aouais, non. J'ai appris les deux, donc généralement je me cherche. Attends, c'est pour les deux, quand vous êtes tous les deux étudiants, tu vois. Comment tu peux dire que c'est uniquement pour les deux? Elle te donne de l'argent, oui. Mais ouais, non, on a été non, quand tu n'as pas. Et tu enjoues même d'avoir ici là, oui. Maintenant, tu es uniquement avec elle si tu entends bien tes propos, uniquement. T'as intérêt alors? En fait, toi. Ouais. Ne pas la blesser, même aussi, non, oui. Elle travaille aussi fort. Tu vois un peu, non, oui. Ouais. Non, c'est qu'elle va y abattre tout. Un peu ça, ouais. Et toi, tu comptais gérer ça comment? Tu comptais gérer comment ça? Je gérais, non. Et t'as venu? Tu es venu maintenant gâter, quand elle est pas bon. Donc, tu vois, les gens être en couple avec une autre peau. Et c'est là, le feeling, le feeling passe là longtemps. C'est à love, non, oui. Donc, tu veux me dire quand même comme ça que moi, je suis là. Je suis là. Je sais que je suis en couple avec toi. J'ai déjà fait beaucoup de choses pour toi. Je connais où je prends mon argent pour t'aider. Tu connais pas. Mais tu veux déjà faire. Tu vas sortir avec une autre fille. Je pense peut-être que les autres garçons me draguent pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé même souvent? Attends, elle t'a expliqué ce qui s'était passé avec son ex. Ouais. Et tu refais la même chose. Tu vois pas que tu deviens plutôt méchant. Est-ce qu'elle fouille alors le cerveau? Donc je suis obligé de fouiller ton téléphone. Je suis pas obligé de fouiller ton téléphone. Moi je te fais confiance, frère. Il y a pas de truc à cacher. T'as même pas dit que tu non, c'est gamin. Tu as dit qu'il y a pas de truc à cacher, non? En gros, tu as dit que tous les hommes sont comme ça. Mais moi je te voyais pas comme ça. Tu vois, genre. Elle ne fouille pas ton téléphone parce que tu fais confiance. Elle a même dit en début. Merde, voilà mon téléphone qu'elle donnait sans discuter. Donc tu crois peut-être que. Non, maintenant c'est payé ce avec. Donc tu n'as pas les justifications à donner. Il n'a pas les justifications à donner. Ça veut dire que toi tu crois pas que c'est difficile de trouver une fille qui s'investit et qui vient même en aide financièrement à un gars de temps que c'est beau. Il y a un gars de flop et un gang alors. Il y a un gars de flop. Il y a tous les gars entretiennent le mec. Les gars entretiennent le mec. Bon, maintenant, comment elle est au courant de ce qui se passe? Toi, tu comptes gérer ça comment? On
va rentrer au pire, non. On va gérer. Tu vas rentrer au pire avec moi. Donc, comment tu dis qu'il va pas rentrer avec toi? Non, il ne rentre pas avec moi. Je ne veux plus. Je ne veux plus, papa. Tu ne veux plus comment? Je ne veux plus. Quand elle avait Lydie. Elle dit que tu aimes, non? Je vois qu'elle avait Lydie maintenant. Pour les simples messages que tu as vu là. Pour les simples messages. 2 ans de relation, il a tout fait pour lui. Il était qui? Il était qui? J'ai arrangé, il va pas beau comme ça. J'ai arrangé le mec. Il me trompe avec Lydie. C'est par amour que tu faisais ça. Justement, il faisait ça par amour. Et ça fait quoi? Et maintenant, toi, tu veux plus de la relation? Je ne veux plus. Là, c'est fini. Oui, c'est fini. Qui peut-tu voir qui dit? Mais qui peut-être rester avec Lydie? Qui fiche quand? Viens, allons, fais ton téléphone. Vois ça, viens. Tu peux débrouiller, c'est tout. Approche, alors, m'a fouillé sa part. Tu as laissé ton gars, lui, son nom, c'est quoi ce matin? Ma vie. Ta vie. On peut taper, je t'aime, voir. Ma vie. Ma vie, gars, ce n'est que toi qui souhaites. Ma vie. On peut à côté, appelle, voir. Ma vie. Attends, maintenant, ce n'est qu'avec lui que toi, tu fais les appels. Ce n'est qu'avec lui que je cause. Je trompe qu'il n'a rien à faire. Il sait que non, c'est l'amour de ma vie qu'il avait trouvé comme ça. Là. À savoir qu'il a sa go là-bas. Peut-être que l'argent que tu donnes, même, je ne peux pas même donner à la fille. Là. Ça fait combien de temps que Lydie est au bout hein, ensemble? Deux semaines. Tu vois que son téléphone est propre. Comme tu dis même que la téléphone est clean. Il n'y a même pas les gars côté appel. Oh, mais là, je bloque. Là, je cause avec Lydie. Non, elle prenait d'abord l'air. Alex l'a envoyé bonjour, mon cœur. Elle n'a même pas répondu. Elle m'a pris ton téléphone. Pardon, eh. Toi, tu pars. Je ne veux plus. Qui calme avec Lydie? Papa, regarde. Lydie va t'entretenir. C'est fini. Je vais faire comment. Moi, ta place, vous jouez la gueule, Yamo d'abord. Vous jouez, vous tuez sa tête. Tout. Oh, vous causez avec ta roue. Tu me payes ce qui était Yamo. Arrête les fautes que tu es en train de faire là. Tu vas passer le fil, tu passes avec une autre. Non, toi, tu vas taper ce cancer, c'est que non. Toi, tu me regardes mon vœu. Pourquoi? C'est pas de ma faute, gars. Vous jouez ta roue. Voilà qui est en train de vous récupérer ta roue. Beaucoup de la caméra là-bas.